Oui, donc... On alterne, voilà. Prenez place. Chacun un micro. Ouais, parfait. Bonjour à tous, bienvenue à cette table ronde intelligence artificielle et éducation. Je m'appelle Guillaume Auchard, je suis data scientist chez Quantmetry. J'ai le plaisir d'animer cette table ronde aujourd'hui qui traitera de deux thèmes principaux. Comment on éduque à l'IA et quels sont les impacts de l'intelligence artificielle dans les processus éducatifs. Alors pour échanger autour de ces sujets, j'ai le plaisir d'avoir quatre intervenants qui sont au cœur de la transformation de l'éducation via l'IA. Et avant d'attaquer cette table ronde, peut-être que mesdames, messieurs, on pourrait faire un petit tour de table rapide pour vous présenter à notre audience, que je remercie d'être nombreux aujourd'hui. Cécile ? Bonjour. Bonjour à tous, bonjour à tous. Bah, écoutez, je suis ravie d'être ici à DataJob. Un immense merci pour votre invitation. Donc, professeur des universités au CNAM, à l'ESCP, mon métier, c'est d'acculturer et de former à l'intelligence artificielle pour les collaborateurs et les managers. Donc, en deux mots, ce qui m'intéresse, c'est d'arriver à montrer ce que l'IA fait aujourd'hui dans le changement des métiers et le faire avec des startups. Et donc, pour ça, donc, j'ai créé un MOOC qui s'appelle l'IA pour les managers, dans lequel il y a plein de startups qui ont le flow, qui ont le pitch, qui témoignent et qui proposent en fait des réalisations concrètes. Très bien, merci. Thomas ? C'est bon, ça fonctionne. Thomas Houdaille, merci aussi de votre invitation. Je suis ravi d'être là. Donc moi, j'ai fait d'abord du conseil en technologie pendant une quinzaine d'années. Ensuite, j'ai bifurqué vers des projets un petit peu différents d'intérêt général. J'ai monté un parti politique. Et puis plus récemment, j'ai contribué à développer The Camp, qui est un campus d'innovation qui doit aider à la transformation des mindsets de nos leaders pour construire un monde meilleur, on va dire. Donc on a beaucoup travaillé sur comment on apprend différemment aujourd'hui. Et puis je suis en train d'appliquer ces méthodes sur l'IA en lançant un nouveau projet qui est, pour faire simple, une école de l'IA. Comment on apprend différemment aux managers. Donc il faut apprendre évidemment à des gens techniciens comment on fait l'IA, mais aussi et surtout, de mon point de vue, aux managers, comment on appréhende ces nouvelles technologies autour de l'IA et comment on en fait des leviers de création de valeur tout en se posant les bonnes questions. Voilà. Sophie ? Bonjour à tous, merci pour l'invitation également. Je suis Sophie Kouende, donc cofondatrice de Learn Assembly. Nous, on est une start-up qui existe depuis à peu près 4 ans. On est spécialisé dans les thématiques d'employabilité des salariés des grands groupes. Donc, par employabilité, on entend la valeur d'un individu sur le marché de l'emploi. Et comme vous le savez, les transformations à l'œuvre dans les grands groupes périment un certain nombre de compétences chez bon nombre de salariés. Donc, on s'occupe des stratégies d'upskilling et reskilling, donc vraiment de la montée en compétences de grands volumes de salariés dans les grands groupes. L'intelligence artificielle est au cœur des compétences qui vont devoir être détenues par ces salariés. Donc on monte des programmes aujourd'hui de type MOOC, de type mobile learning ou autre sur ces compétences-là. Et donc l'IA est à la fois le sujet de ces formations que nous montons et également un moyen, en tant que moyen pédagogique, pour pouvoir former les salariés de ces grands groupes. Yves Poilane. Oui, bonjour. Donc Yves Poilane, je suis directeur de Télécom Paris Tech depuis maintenant 11 ans. Donc Télécom Paris Tech, c'est la première grande école d'ingénieurs française du numérique. J'ai un parcours qui est alterné, où j'ai alterné des postes dans l'enseignement supérieur et la recherche et chez l'opérateur Orange. Et je suis diplômé de cette même école. C'est une école qui a vu passer sur ses bancs le créateur de Siri, un des cofondateurs de Uber, un des cofondateurs de LinkedIn et le responsable de l'équipe machine learning de Netflix. Juste pour donner quelques exemples, donc il faisait de l'IA avant même qu'on parle, que ça s'appelle de l'IA, il faisait du machine learning avant même que ça s'appelle du machine learning. Donc on a effectivement une tradition assez ancienne de formation dans ce qu'on n'appelait pas encore l'IA, mais qui est en gros essentiellement une bonne dose de mathématiques, une bonne dose d'informatique et puis aussi des sciences économiques et sociales, parce que tout ça ne serait rien si on ne comprenait pas les mécanismes économiques et sociaux que l'intelligence artificielle en fait transforme. Très bien, merci. Alors la première question que j'ai envie de vous poser, et c'est une question que je vous pose à tous, savoir qui va prendre le micro en premier, qui va dégainer en premier, c'est quels sont les chantiers à mener pour améliorer les processus d'intelligence, d'apprentissage et comment s'intègre en fait l'intelligence artificielle dans la transformation de ces processus. Peut-être
Thomas, peut-être ? Moi, je veux bien démarrer, si vous m'y autorisez. Ce que je voulais dire, moi, sur ce sujet, c'est d'abord qu'il y a un vrai enjeu en matière d'éducation et d'apprentissage au sens large, hein, qu'on commence à toucher du doigt. Et ce qu'on constate un petit peu tous, c'est que la façon dont on éduque nos enfants, nos managers, nos boîtes, a quand même pas beaucoup changé dans l'ensemble. Il y a plein de choses qui, en matière d'innovation, mais on n'a pas beaucoup changé depuis 30 ans, alors que le monde a été bouleversé. Et on sait que c'est un des sujets clés pour pouvoir s'adapter. Moi, j'ai un fils qui est à l'école en terminale, et je suis quand même abasourdi de voir la façon dont on enseigne. C'est la même chose que quand moi j'étais à l'école. Il y a 30 personnes dans une salle avec un prof qui descend de l'info. Il y a un vague ordinateur, mais il s'en sert un peu plus pour faire des jeux ou pour mater des séries que pour vraiment travailler et utiliser le digital. Et sur la formation continue, dans son ensemble, c'est aussi très vieillissant. La formation, d'abord en France, c'est un espèce d'acquis social et c'est peu créateur de valeur dans son ensemble. Donc je pense qu'il y a une prise de conscience depuis quelques années là-dessus, parce qu'on sait que c'est clé et que si on n'arrive pas à faire ce changement de modèle d'apprentissage pour créer plus de valeur et s'adapter au monde d'aujourd'hui et de demain, on sera dans la panade. Et on a en plus des bonnes idées depuis déjà quelques décennies sur ce qui marche et ce qui ne marche pas. Montessori et autres, les autres écoles nous ont montré qu'on apprenait bien parce qu'on faisait des choses plutôt que qu'une information descendante, parce qu'on était motivé, qu'on avait un engagement des apprenants. Les neurosciences nous apprennent aussi plein de choses sur la plasticité cérébrale et comment on doit apprendre un petit peu différemment. Et je trouve qu'on est encore dans cette espèce de grand écart entre ce que font la majorité des gens en matière d'éducation et d'apprentissage et ce qu'il faudrait faire. Alors, moi, je sais pas. Je ne suis pas un spécialiste, un expert en pédagogie. Par contre, on a travaillé sur pas mal de test and learn et de nouvelles modalités de faire à The Camp. Je vous en cite quelques-unes, hein, parce que c'est en regardant le marché, ce qui se faisait, ce qui nous paraissait intéressant. Après, il y a l'IA dedans et le digital, hein, mais c'est d'abord créer de l'engagement des apprenants. Si on n'est pas motivé, il ne se passe pas grand-chose. On sait qu'on apprend parce qu'on fait des choses, donc c'est tout ce qui est autour du learning by doing. On sait qu'on apprend parce qu'on engage pas simplement le rationnel, notre cerveau, mais aussi l'émotion et un certain nombre d'autres composantes pour apprendre. Et parce qu'on le fait dans un environnement ouvert où on va être confronté à des gens qui ne pensent pas comme nous. Donc c'est toute cette notion d'écosystème. En plus, à The Camp, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, mais pour ceux qui ne connaissent pas, regardez thecamp.fr. C'est un campus assez incroyable qu'on a construit à côté d'Aix-en-Provence, volontairement face à la montagne Sainte-Victoire, qui est un des lieux les inspirants historiquement et qui crée les conditions pour qu'il se passe des choses. Et pour moi, au-delà du digital, l'aspect lieu, contexte, environnement d'apprentissage est très important et crée ou pas les conditions pour qu'il se passe des choses. Le digital va rajouter effectivement une couche et l'IA peut aider en matière de personnalisation, d'adaptive learning, etc. Mais ce que je constate, moi, avec mes yeux de, pas d'expert, mais d'amateur de ces sujets-là, c'est qu'on est au tout début d'une grande aventure qui a encore beaucoup à faire. Il y a des spécialistes autour de moi de MOOC. On sait les avantages et les inconvénients du MOOC. Voilà, on est au début de cette ère et il y a encore beaucoup de choses à faire au-delà du digital et de l'IA pour aider à mieux apprendre. En parlant d'avantages, vous vouliez rebondir sur cette question. Moi, je vais peut-être compléter rapidement ce que tu disais, Thomas. Je suis peut-être un petit peu plus nuancée que toi sur les premiers usages qu'on observe, nous, en pédagogie. Alors, sur la formation continue, donc il y a peut-être un biais là aussi, puisque ce ne sont pas tout à fait les mêmes budgets réservés à la formation initiale et continue. Les grands usages qu'on voit nous apparaître, donc effectivement tu l'as mentionné, l'adaptive learning, donc le fait de pouvoir adapter le niveau d'une formation à où en est l'élève ou l'apprenant quand on parle de formation continue. Donc ça, c'est un des premiers grands usages qu'on observe. En France, vous avez une start-up qui s'appelle Domocio qui travaille sur ces sujets depuis déjà un petit moment. Vous avez Newton aux États-Unis qui s'est distingué là-dedans cette année avec le groupe Hachette. Je vous invite à aller voir, ils ont monté Mon Coach Becherel qui vous permet d'apprendre la grammaire française au niveau où vous en êtes. Donc cette partie adaptive est déjà la plus évidente dans l'apprentissage. Tout ce qui est tâches qui prennent du temps, comme la notation des copies, aujourd'hui c'est quand même un cauchemar pour un prof. Aujourd'hui c'est aussi quelque chose que l'IA simplifie de manière forte.
toujours du côté de l'élève. Ce qui est intéressant aussi, c'est toutes les nouvelles formes d'apprentissage et d'entraide entre élèves qu'on peut voir apparaître. Je pense qu'il y a quelques mois, certains ont dû le voir passer. Vous avez peut-être vu cette start-up qui travaille sur l'aide aux devoirs, qui a monté un bot qui s'appelle Peter. Juste pour l'anecdote, ça vient de Peter Gray, qui a théorisé l'apprentissage entre pairs. Donc au démarrage, c'était simplement fait sur Facebook Messenger pour mettre en relation des tuteurs et des élèves. Aujourd'hui, c'est une IA qui permet de matcher des élèves entre eux qui s'entraident pour leurs devoirs. Donc on voit déjà apparaître pas mal de choses. Il y a des assistants virtuels aussi de professeurs, avec Jill Wasson, par exemple, qui est un test qui est fait aux États-Unis. On a, alors certes, encore, c'est encore le balbutiant, on ne l'a pas encore déployé à très très large échelle, mais c'est en train de révolutionner de manière assez forte ce qui se passe dans les salles de classe. Et je pense qu'il n'y a pas grand-chose pour dire que bientôt, l'IA détrônera le tableau noir que nous avons dans nos salles de classe. Donc je suis en tout cas un petit peu plus nuancée sur mon propos quant à ces usages-là. Oui, alors je rejoins tout à fait les propos de Thomas et Sophie. Moi, je voudrais dire trois choses. On apprend différemment si on s'adresse à des étudiants, à des jeunes, si on s'adresse à des managers et si on s'adresse à des personnes qui sont en start-up et qui doivent donc travailler sur du machine learning ou des technologies. C'est totalement différent. La cible est importante à prendre en compte. Je donne trois exemples. Quand on est face à des jeunes, pour leur faire comprendre l'importance de l'IA, c'est assez rapide. Ils le comprennent très vite et à la limite, c'est eux qui nous portent les meilleures start-up, les meilleures innovations, les meilleurs exemples. Donc ça, c'est assez simple. Pour apprendre à des personnes qui sont en entreprise, là, il y a un challenge. Il y a un challenge pour trois raisons. D'abord, parce que les gens viennent de vivre la transformation numérique et ils se disent, on n'a pas terminé déjà de s'acculturer à tout ce qui se passe avec le numérique. Maintenant, on nous met l'IA, ça suffit, quoi. Donc, à un moment donné, je pense qu'il y a un vrai travail de conviction et de démonstration comment l'IA peut justement aider à faire le travail et les tâches différemment. La vraie question, c'est de démontrer aux collaborateurs comment l'IA va lui permettre, de faire des tâches à faible valeur ajoutée pour lui, mais très, très, très facilement automatisables. Donc, il faut qu'il lâche prise sur certaines tâches. Comment l'IA, au contraire, avec le collaborateur, va l'aider à faire de la gestion de projet, à gérer son agenda, à prendre des rendez-vous. Donc là, elle va l'assister. Et comment l'IA va lui permettre de faire des nouvelles choses. Et ça, c'est très intéressant. Et c'est là où il va pouvoir imaginer son métier de demain. Donc, à mon avis, il faut vraiment travailler pour les collaborateurs en entreprise à une acculturation de ce qu'est l'IA, de ce qu'il faut lui laisser faire, de ce qu'on peut faire avec et de ce qu'elle va nous permettre de faire qu'on ne pourrait pas faire sans elle, et à faire réfléchir les gens sur comment ils vont pouvoir transformer leur métier. Et c'est pour ça qu'en fait, on a un vrai travail de transformation des métiers à faire avec les collaborateurs. Le troisième point, donc après la cible des étudiants, la cible des collaborateurs, il y a la cible, bien sûr, de tous les start-upers qui sont là et qui créent des solutions extraordinaires. Il y a, à mon avis, deux éléments. Le premier élément, c'est que vous allez créer certainement des solutions extraordinaires. Le problème, ce n'est pas de les créer, c'est de les faire adopter par Madame Michu. C'est ça, le sujet. Et pour ça, il faut que vous soyez dans votre écosystème en interaction avec des personnes qui parlent à Madame Michu et qui forment Madame Michu pour justement essayer de faire des POC dans des réseaux comme ça de formation. C'est pour ça que dans les MOOC, nous, on propose aux start-upers de tester leur solution avec l'IA auprès de tous les apprenants, quel que soit leur niveau, quelle que soit leur provenance. Par exemple, on a testé, comme tu le mentionnais, Sophie, l'adaptative learning, et je ne mentionnerai pas le nom de l'entreprise, ça ne marche pas, quoi. Ça ne marche pas. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il faut faire tout le travail en amont, de faire les arbres de décision, mais en fait, il n'y a pas de machine learning. Donc, en fait, vous apprenez quelque chose, mais on est incapable de vous pousser en fonction de votre niveau. Si, en fonction de ce que nous, on pense que votre niveau est, mais pas en temps réel. Donc, ce n'est pas de l'IA, c'est... Ah ben voilà, il est d'accord avec moi, lui.
C'est pas l'IA, c'est du système expert, bon, c'est ce qu'on a toujours fait. Donc, attention, d'accord, il faut que vous testiez avec des vrais apprenants, et moi je vous invite à nous contacter pour tester dans le MOOC. On a testé une deuxième chose qui est vraiment intéressante, qui est un chatbot de learning. Et on a mis le contenu du MOOC dans un chatbot avec BotRiver, et là, c'est intéressant parce qu'on voit les limites et on voit comment les utilisateurs qui n'ont pas l'habitude donc, de travailler avec des IA interagissent, où sont les biais, où ça marche, où ça ne marche pas. Donc, à mon avis, d'accord, pour des start-upers, il faut absolument prendre des terrains d'apprentissage à grande échelle, tester et, bien sûr, améliorer vos solutions. Et c'est pour ça qu'il faut travailler avec les personnes qui sont dans les diffusions du contenu et de l'apprentissage. Donc, ça, c'était ma première idée. L'apprentissage ne se fait pas de la même façon en fonction des cibles. Et ma deuxième idée, c'est vraiment de vous dire qu'en fait, l'IA, il faut arrêter d'en parler sous la forme technique, sous la forme de solutions, sous la forme des peurs, hein, ça va transformer la médecine. Ça va... Il faut en parler sous la forme de l'utilisation au quotidien pour un collaborateur qui va utiliser 365 Microsoft, qui va utiliser, pourquoi pas, un voice bot pour pouvoir faire ses comptes rendus parce que c'est un commercial et qu'en fait, au lieu de l'écrire, il va pouvoir le faire. Donc, il faut raconter des histoires d'utilisation pour convaincre parce que vos freins, ça ne sera pas la technologie, ça sera la façon dont Madame et Monsieur Tout-le-Monde va utiliser ou va mettre des pots de banane à votre technologie dans les entreprises. Merci Cécile. Yves, oui. Vous avez un retour d'expérience à Télécom Paris. Alors, je vais revenir à la question. Ouais. Je vais essayer de revenir strictement à la question et je vais aller totalement dans le sens de Thomas, c'est-à-dire si la question c'est en gros comment faut-il réinterpeller nos modes d'apprentissage. Alors, pour une école comme Télécom Paritech, il faut éviter deux écueils. C'est l'un, on sait former des ingénieurs, donc on a toujours su le faire, on va continuer à le faire, comme avant. Et l'autre, c'est de dire la technologie va radicalement transformer la façon d'enseigner. Alors, ce que je vais dire, ça vaut pour mon école, école d'ingénieurs. On forme 300 ingénieurs par an, 600 diplômés par an au total. Donc, je ne vais pas dire qu'on est la haute couture, je ne vais pas dire qu'on est la haute cuisine, 3 étoiles dans le guide Michelin, etc., parce que ça serait un peu présomptueux, mais quand même, on ne fait pas de marché de masse et on est quand même un peu plus sur le sur-mesure. Et je dirais que, du coup, ce qui fonde la valeur de ce qu'on apprend, c'est quand même l'interaction humaine, aujourd'hui. Hein. Donc, c'est vrai, et donc Thomas m'a volé mon pitch, c'est qu'effectivement, aujourd'hui, ce qui est important, c'est le learning by doing, c'est la classe inversée, c'est la pédagogie par projet. Et là, je peux témoigner, étant diplômé de mon école il y a 35 ans, enfin 34, qu'on n'enseigne plus aujourd'hui à Télécom Paritech comme on enseignait, Dieu merci, il y a 34 ans. Et je ne parle pas simplement de ce qu'on y apprend, je parle de la façon dont on apprend, hein, très clairement. Et donc, la base, dans un établissement comme le mien, hein, c'est clair que pour une société qui développe du e-learning massif, des solutions de e-learning, la problématique est totalement différente. Mais dans la mienne, de toute façon, c'est comme l'artisanat. Vous allez voir un grand chef et vous lui dites quelle est la porte de l'intelligence artificielle dans la haute cuisine. Je ne sais pas, enfin, il commence peut-être à avoir quelques petites idées, mais en tout état de cause, il ne va pas commencer par ça quand il va parler de son métier. Donc, c'est vrai que nous, on ne commence pas par parler de l'intelligence artificielle. Alors, on parle du numérique parce qu'effectivement, comme ça a été dit, l'engagement étudiant est clé. Hein, l'interactivité avec le prof est clé, et donc on commence à doter nos élèves, enfin, ou en tout cas à faire que nos élèves chargent sur leur smartphone des outils d'interactivité avec le prof pendant le cours. Ça, c'est des choses qui sont intéressantes. Néanmoins, donc, il y a déjà un virage à prendre qui est celui du numérique et de voir comment le numérique peut complémenter la relation de face à face. Alors, si j'étais un tout petit peu ironique, je dirais l'adaptative learning, c'est déjà le prof qui s'adapte à ses élèves. Hein. Et c'est quand il regarde les élèves dans les yeux et qu'il voit que le type le regarde avec des yeux de Merlin Free, on se dit, tiens, il n'a pas compris. Il n'y a pas besoin de mettre de l'IA pour... Mais ça, c'est quand on est dans du face à face. Encore une fois, comment traduire dans le numérique quand un élève est à distance, le temps qu'il met pour appuyer sur la touche, machin, pour dire qu'il a compris ce qu'on lui disait, ça fait sens. Hein. Et donc, mais ça, nous, dans une salle de cours, j'ai envie de dire au prof, écoute, regarde. Continuer à regarder le prof dans les yeux et de temps en temps pose-leur la question s'ils ont bien compris. Hein. Donc ça, c'est ce que j'appelle l'adaptative learning. Hein. Donc ça, c'est aussi à peu près aussi vieux que l'enseignement. Et puis donc du coup, on ne l'a pas inventé, mais je l'ai inventé en vous écoutant. Nous, on ne fait pas des chatbots, on fait des chatman. Hein, c'est-à-dire qu'effectivement, avant d'aller mettre des robots pour parler aux humains, on va déjà mettre, nous, on continue à mettre des humains pour parler aux humains. Et finalement, ça marche pas mal. Mais encore une fois, parce qu'on est
une école qui forme des petits flux en présentiel. Hein. Il est clair que, très clairement, on n'a pas les volumes, je crois que c'est Cécile qui a dit, on n'a pas les volumes de données pour faire du big data. Hein. Je veux dire, on n'a pas les volumes de données. Je ne veux pas inventer, je ne veux pas foutre des capteurs sur mes élèves, savoir quand est-ce qu'ils rentrent, quand est-ce qu'ils sortent, des capteurs d'attention, des trucs avec des lunettes où on verrait par les mouvements des yeux, est-ce qu'ils sont attentifs, pas attentifs. Je ne vais pas aller monitorer ce qu'ils font sur leur PC pendant le cours, parce qu'ils sont tous sur Facebook, sur autre chose, quand ils ne sont pas sur Netflix. Bon, voilà. Voilà, donc tout ça pour dire, donc, je suis là pour dire, il y a les fondamentaux, hein, les fondamentaux de l'éducation, ils restent, ils ont évolué, les méthodes actives, la pédagogie par projet, par problème, parce que c'est d'abord à la fois, c'est souhaité par nos élèves, c'est quand même comme ça que ça fonctionne dans l'entreprise, et puis c'est vrai que le numérique, le domaine du numérique est de toute façon un domaine où on travaille par essai-erreur, où on travaille dans des équipes pluridisciplinaires, donc autant que les établissements d'enseignement, je dirais, simulent dans leur pédagogie, ce qu'ils vont avoir à faire quand ils seront dans le monde de l'entreprise. Et puis là-dedans, bah, on met le numérique, hein, une dose de numérique, juste ce qu'il faut, hein, tout ce qu'il faut, enfin, on essaye, mais juste ce qu'il faut. Quoi, voilà. Donc encore aujourd'hui, chez moi, il n'y a pas d'intelligence artificielle dans mes cours, il y a de l'intelligence bien humaine, en tout cas, on essaye. Et puis après, par contre, on va parler de la formation, parce qu'il faut effectivement former des gens à l'intelligence artificielle, mais c'est les questions suivantes. Voilà. Guillaume, est-ce que je peux poser une question ? Bien sûr. À mes amis, c'est qu'il y a, moi, je suis pas un spécialiste des MOOC, de l'e-learning, etc. Mais je me pose une question qui est que ce qu'on lit, hein, c'est que globalement, je crois que la moyenne, ça doit être 5% des gens qui suivent des MOOC dans le monde vont au bout. Donc c'est, alors, tu vas réagir. Ma question, alors c'est peut-être une erreur, une fake news, mais on sait qu'il y a un vrai enjeu de l'engagement autour du MOOC. Est-ce que c'est pas là que l'IA va apporter des solutions pour être dans cette stimulation de l'engagement et cette adaptation ? C'est une question. Alors, en fait, c'est une excellente question, mais la réponse, c'est qu'en fait, justement, quand on fait un MOOC, on picore, on va surtout pas faire tout, puisqu'on n'est pas dans de l'apprentissage chronologique. On fait un MOOC, par exemple, on a envie de faire un MOOC sur le machine learning. Et en fait, on veut s'apercevoir simplement qu'il y a une vidéo qui nous intéresse. Eh bien, on regarde la vidéo et on met en utilisation ce qu'on a appris et c'est tout. On n'est pas là pour faire la totalité d'une MOOC, ça n'a aucun sens. C'est ne pas comprendre ce que c'est. En fait, un MOOC, c'est quoi ? C'est un self-service, vous rentrez dans un self-service et vous prenez ce qui vous fait plaisir et puis vous ressortez, vous l'appliquez. On ne sait pas qui vous êtes, vous n'avez pas besoin de certification et en fait, vous le faites quand vous voulez. Donc l'idée, c'est surtout ne prenez pas les contraintes du monde passé. Vivez à l'heure d'aujourd'hui, picorez, hackez, prenez et puis faites un deuxième MOOC et ailleurs. C'est justement ce que je veux faire passer comme message. On n'apprend pas de la même façon quand on est dans des objets numérique, dont les MOOC, dont les TED, dont les webinars, dont plein d'autres choses, d'accord ? Parce qu'on est là pour picorer ce qui nous intéresse, mais surtout ne pas tout faire. Donc quand on nous dit « Ah, mais les gens, il n'y a que 5% qui vont jusqu'au bout », mais c'est qu'ils n'ont rien compris, on s'en fout, c'est un mauvais indicateur. Il y a combien de gens qui viennent et qui prennent et qui réutilisent ? Ça, c'est un bon indicateur. C'est qu'est-ce que je fais ? Est-ce que j'aimais ? Le meilleur indicateur, c'est est-ce que je l'ai recommandé ? Putain, j'ai fait une vidéo, c'était le patron de Comptemétrie qui m'explique comment on fait un projet IA. Bon, ça, c'est un scoop pour le prochain MOOC. Mais attendez, ce qu'il dit, c'est extraordinaire. Vous y allez, vous comprenez, et à la fin, vous postulez, vous êtes embauché, vous avez tout gagné. Pas besoin de suivre tout le reste, même si vous voulez voir la vidéo d'Ubisoft. Je vais rebondir aussi sur la deuxième partie de ta question, ce que l'IA pourrait permettre sur les MOOC en tant que concepteur de MOOC. Nous, ça nous permet de détecter les schémas d'erreur dans les MOOC. Sur des petits échantillons, quand vous avez quelques élèves qui se plantent, vous pouvez dire que c'est la faute de l'élève qui n'a pas compris. Quand vous êtes sur des très très grands échantillons, il y a des patterns d'erreur qui commencent à émerger. Et là, ce ne sont pas les 200 élèves qui n'ont pas compris. C'est votre produit qui est mal foutu. Et à cet endroit-là, personne n'a compris la consigne ou l'exercice. Du coup, l'IA va permettre aussi de débugger nos conceptions, nos produits et peut-être même à terme de pouvoir le corriger quasiment en temps réel. Donc ça ouvre des perspectives, en tout cas côté concepteur de MOOC, qu'on n'avait pas jusqu'à présent. J'avais une question, moi, sur le côté anxiogène que peut avoir l'IA justement pour amener cette transformation en entreprise. Est-ce que vous avez des retours d'expérience, d'approches qui ont été gagnantes et qui ont permis justement d'acculturer tout type de public en entreprise à l'intelligence artificielle ? Je vais rebondir. Du coup, nous, on a monté cette année un produit de formation donc, pour le back-office des transactions sécurisées de la BNP.
Donc, comme vous vous imaginez, ce sont des métiers qui sont très, très, très fortement impactés par l'intelligence artificielle. Et donc, il fallait accompagner un large public dans sa montée en compétences. Là, je vais complètement être en phase avec ce que tu disais, Cécile, tout à l'heure sur les cibles. C'est un sujet qui est extrêmement anxiogène. La première réaction des gens, c'est « ça va me piquer mon métier, je vais être sur le carreau dans quelques temps ». Donc l'étude des cibles est primordiale en amont. Nous, on passe énormément de temps comme des ethnologues au démarrage, on discute avec les gens, donc on catégorise, on segmente en fait nos cibles. On essaie de comprendre quelles sont leurs motivations, quels sont leurs freins sur le sujet intelligence artificielle et sur la forme que va revêtir la formation, c'est-à-dire un format MOOC dans le cas présent. On passe énormément de temps, ça nous donne la possibilité de monter ce qu'on appelle un storytelling adapté. Si vous montez, j'en sais rien, un produit de MOOC où l'univers, ce sont des robots, ben je peux vous dire que vous passez totalement à côté des angoisses de votre cible et que c'est absolument pas cette première idée qui peut être la première fausse bonne idée que peut avoir le concepteur de MOOC quand il monte son produit. Donc l'étude des cibles est extrêmement importante. Deuxième chose, c'est, et ça tu y faisais un petit peu référence Cécile tout à l'heure, le fait de s'ancrer dans quelque chose qui est proche des gens et de leur quotidien. Aujourd'hui, en fait, des IA, on en utilise tous déjà dans nos vies en dehors du boulot ou en dehors de l'école et dans des usages qui sont quasi intégrés dans nos routines, que ce soit pour réserver un taxi ou un VTC, que ce soit pour partir en vacances, réserver ses vacances, acheter des bouquins, etc., etc. Donc, arriver à faire toucher du doigt ces usages quotidiens et leur dire que c'est pas quelque chose, on ne se projette pas forcément dans tout ce qui est art d'IA, mais on le ramène avec des choses que vous connaissez déjà et qui sont proches de vous et qui diminuent le niveau d'anxiété de ces personnes à former, c'est certainement une des meilleures manières d'éduquer à l'IA. Et après, troisième chose, le learning by doing dont on parlait tout à l'heure et toutes les approches test and learn, c'est extrêmement important pour l'adoption de l'IA. Donc ça peut passer effectivement par un produit qui est bâti déjà avec de l'IA, avec des chatbots dont parlait Cécile tout à l'heure. Nous, dans le cas de la BNP, on avait un petit module qui leur faisait toucher du doigt tout ce qui était natural language. On leur a montré aussi dans des usages de tous les jours, typiquement sur les commentaires de matchs sportifs, c'était pendant Roland-Garros, vous avez du NLP derrière qui permet de générer les rapports de commentaires de matchs. Bah, ça, c'est des choses toutes bêtes, mais ça fait partie d'usages quotidiens qu'on peut faire toucher rapidement du doigt par des populations montées en compétences. Donc normalement, quand on a ces trois ingrédients, en tout cas sur des populations de salariés en entreprise, on arrive à les embarquer assez fortement. Merci. Yves ? Oui, alors l'IA présente la caractéristique que c'est pas une discipline, c'est pas une technologie, c'est une dynamique, c'est une transformation profonde de l'économie et de la société à qui on confère des propriétés magiques, hein, c'est-à-dire le réseau de neurones, ce qui va sortir d'un réseau de neurones entraîné, c'est on ne sait pas, ça sort un truc, c'est a priori ce qu'il y a de mieux. Donc toute la question de savoir, ben, finalement, est-ce qu'on est capable d'expliquer ce que la machine finalement nous propose, nous prédit, nous recommande. Donc ça a des propriétés magiques. Et alors ça concerne tout le monde, et en particulier les professions intellectuelles supérieures. Tant que l'automatisation, les robots dans les usines, ça concernait que les ouvriers, bon, je dirais l'avocat, le marketeur, le chief financial officer, bon, vous pouvez continuer à dormir sur ses deux oreilles. Bon, là, on commence à challenger les professions intellectuelles supérieures. On va même jusqu'à challenger les artistes. Bon, et donc là, quand même, les élites, hein, parce que parlons de choses que je connais un peu, là, les élites commencent à prendre peur en se disant, là, on va nous prendre notre boulot. C'est-à-dire que c'est prendre le boulot des ouvriers, ça fait un moment, ça fait deux siècles que ça dure, ça gêne personne. Ça gêne personne, ça gêne des ouvriers, mais ça gêne pas les élites. Par contre, là, on commence à challenger les élites. Donc, propriété magique. Donc, tout ça, il faut, évidemment. Ça, l'IA n'a pas de vertu magique, d'une part, et d'autre part, l'IA ne va pas remplacer les professions intellectuelles supérieures. Par contre, elle va les aider, et puis elle va les transformer. Ça, c'est sûr. Et donc, nous, la façon dont on aborde l'IA, pour tous les segments qu'on peut adresser, depuis les experts de l'IA, c'est-à-dire les gens qui développent les disciplines de base, qui font progresser les mathématiques appliquées nécessaires pour l'intelligence artificielle, les gens qui font progresser l'informatique nécessaire à l'intelligence artificielle, c'est-à-dire les systèmes distribués, comment on fait fonctionner des systèmes d'apprentissage sur des architectures distribuées, mais jusqu'aux gens qui utilisent l'IA, hein, encore une fois, le C-level des gens qui ne sont pas ingénieurs, c'est un démythifier
quand même, parce que alors ça leur évitera aussi, quand ils sont vraiment puissants dans l'organisation, ça leur évitera de se faire fourguer n'importe quoi, parce qu'ils auront un peu compris les limites, la réalité de l'état de l'art, et puis les limites de l'utilisation de l'IA, démythifier et quand même donner les clés pour comprendre. Hein, quelles sont les opportunités qui sont derrière. Et ça, il faut le faire pour tout le monde. Quoi, hein. Et donc, notre positionnement en formation continue en particulier, hein, et puisqu'on parlait, et notamment de la formation continue des non-spécialistes, hein, c'est honnêtement démythifier et instrumenter. Enfin, pas instrumentaliser, mais instrumenter, leur donner des instruments, des clés pour comprendre. Donc, pour ça, on a des formations. On n'est pas les seuls. Je vais faire un peu de pub pour mes confrères. Hein, les grandes écoles de management, HEC, l'école polytechnique, école d'ingénieurs, Télécom, l'ENSAE. Je pourrais même parler de mes voisins de par-delà la Nationale 118, qui ont aussi des très bonnes formations sur les enjeux technologiques, économiques, sociétaux, juridiques de l'intelligence artificielle. Hein. Et je pense que là, on a vraiment... C'est une œuvre de salut public, quoi. Parce que qu'est-ce qui se raconte comme connerie sur l'intelligence artificielle? Mais c'est normal, au plan sociologique. Enfin, je veux dire, on est en train de créer Dieu. Hein, donc, évidemment, enfin, c'est ce à quoi l'homme travaille depuis que l'homme est homme, hein, c'est de devenir Dieu à la place de Dieu. Et donc là, l'intelligence artificielle, on va peut-être y arriver. Donc, on projette toutes les peurs. Et donc là, quand même, zut, nous, on est là pour former des acteurs rationnels et on essaye, face à ce raz-de-marée sociologique, d'essayer de donner les éléments de la rationalité pour des gens qui doivent diriger leurs entreprises dans leurs fonctions, qu'elles soient encore des fonctions d'experts ou pas, avec rationalité. Voilà. Donc, dépasser, démythifier et instrumenter. Oui. Vous êtes start-upper, vous avez créé des nouvelles solutions, vous voulez changer le monde. Ça, c'est une dynamique qui existe, qui marche, et on voit bien qu'en fait, il y a quelque chose, il y a un flow qui se passe. Le challenge d'après moi, c'est comment chacun va changer son métier. C'est-à-dire qu'en fait, la vraie révolution technologique, elle est en cours, métier, elle n'a pas commencé. Et c'est le challenge de demain, c'est comment on va pouvoir outiller, former, armer chaque collaborateur pour non pas lui expliquer le terme IA, ça n'a aucun sens, mais le mettre au cœur des réalités de ce que font les nouvelles solutions technologiques pour qu'en fait il réinvente son métier et qu'il fasse plus de commercial, plus de relationnel, plus de mise en relation, plus de développement de nouveaux territoires sur de nouveaux services. C'est là l'enjeu, à mon avis. C'est comment on va former à encore plus d'interactions entre les personnes et les machines, et entre le contrôle des machines et des machines. Et donc, si on arrive à avoir une révolution aussi importante sur le changement de métier que celle que vous avez initiée, dans laquelle vous êtes au cœur, celle des changements de la technologie, là, on pourra avoir des économies où on aura encore de l'emploi et une nouvelle carte géographique des territoires et de la valeur ajoutée. Et à mon avis, au lieu de parler d'IA, le mot même IA est anxiogène, et je vous rejoins complètement, il faut simplement faire réfléchir eh bien, des groupes métiers dans les organisations sur comment elles peuvent imaginer, avec les solutions qui sont des chatbots, qui sont de l'agenda partagé, qui sont de la gestion de projet, qui sont du voicebot, etc., toutes ces solutions qui intègrent des technologies d'IA, comment en fait on peut faire de nouvelles choses avec de nouvelles valeurs ajoutées, avec de nouveaux partenariats, avec une mise en relation avec des nouveaux écosystèmes. C'est ça l'enjeu. Donc à mon avis, l'enjeu, il est avant tout transformation des métiers pour pouvoir faire réussir la transformation technologique. Mais si on ne parle que d'IA ou que de techno, en fait, on va laisser sur le carreau ceux qui pourraient être les meilleurs relais et qui pourraient, bien sûr, développer l'emploi de demain. C'est effectivement assez drôle d'ailleurs de voir tout le buzz qu'il y a sur le sujet de l'IA, de la transformation des métiers. Je vais vous lire un tout petit texte. Je vous recommande de lire le papier d'Olivier Ezrati sur le sujet remplacement des jobs par l'IA. Il y a un certain nombre d'études qui ont été publiées ces dernières années, dont certaines disent que 47% des jobs à l'échéance 2030, hein, donc 2025 ou 2030, donc c'est quasiment demain, vont être transformés par l'IA. Et ce qui est marrant, c'est que la première étude qui dit 47%, elle date de 2013. Depuis, il y en a eu plusieurs. La dernière, qui date de 2016, ne parle plus que de 6%.
Puis il y a même des études qui disent que finalement l'IA va créer de nouveaux jobs. Et donc c'est assez drôle de voir que même des gens qui essayent de faire du rationnel, ils font de l'étude quantitative, je ne sais pas exactement quels sont les modèles derrière, il faudrait regarder. Voilà, on est entre 50% des jobs qui vont changer, 6%, 0%. En fait, c'est n'importe quoi. Il y a beaucoup de n'importe quoi sur l'IA. Donc je rejoins le premier point qui est de dire il faut expliquer rationnellement tout ce qui se passe pour rejoindre aussi ce que disait Cécile. Moi, mon sujet, c'était le cas à The Camp et c'est le cas avec cette école de l'IA que je veux monter, c'est vraiment de faire prendre conscience aux managers de ce que ça peut faire réellement à court terme sur leur métier. Il y a plein d'automatisation, il y a plein d'améliorations, il y a plein de valeurs à créer grâce à l'IA, et si elles ne le font pas, les compétiteurs internationaux vont le faire et elles vont se faire dépasser. Donc c'est important d'investir aujourd'hui. Et pour que ça fonctionne, il ne suffit pas de recruter les bons data scientists. Il faut, c'est important et c'est pour ça que vous êtes là, mais il faut aussi former les managers pour qu'ils se comprennent et qu'ils puissent discuter avec les data scientists. Parce qu'en général, ce n'est pas toujours les mêmes langages. Donc on va retrouver derrière finalement les questions qu'on se posait au début. C'est quoi les bons processus d'apprentissage pour faire cette transformation des managers, des C-level, et le cercle va être bouclé. Mais c'est un gros challenge et c'est, je pense, finalement, ce qui a commencé à naître avec ce qu'on a appelé la transformation digitale, qui est pour moi pas le bon terme, parce qu'en fait, le digital, il apporte un certain nombre de choses. L'IA vient rajouter une couche et elle pose d'autres questions que les autres transformations digitales, mais finalement, je ne sais pas si vous vous souvenez, quand le mobile est arrivé, il a transformé plein de business. C'était très compliqué pour beaucoup de gens de passer du monde, déjà Internet c'était compliqué, mais passer au mobile. Donc là, avec l'IA, c'est une transformation supplémentaire qui pose en plus des questions sur ce qu'on est et notre rapport à la technologie. Sophie, peut-être un dernier mot on a peut-être le temps pour prendre une question de la salle, comme vous voulez. Si vous avez une question à poser à nos speakers. Ouais. Alors, je voudrais juste faire une petite synthèse. La semaine passée, il y avait un salon au Cercle des Armées sur les entreprises du CAC 40 et sur leur méthode de e-learning et donc d'intégration de l'IA dans leur système. Et donc c'était très intéressant parce qu'aujourd'hui, on peut dire que le buzzword dans ces écosystèmes de learning dans les grands groupes, c'est le mot ancrage. Le mot ancrage mémoriel, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, comment les technologies, que ce soit l'informatique, que ce soit le numérique ou que ce soit l'IA, peuvent aider à utiliser une information que l'on a entendue, que l'on a lue, que l'on a partagée avec un collaborateur ou un manager. Comment est-ce que les technologies peuvent nous aider à utiliser cette information 2-3 fois dans le cycle de vie donc, d'une personne pour qu'elle puisse vraiment l'apprendre? Pourquoi? Parce que apprendre, ce n'est pas écouter ou prendre connaissance d'une information, c'est la réutiliser au moins 3 fois, dans les 3 heures, dans les 3 jours, dans les 3 mois. Et donc, le vrai sujet, c'est comment les technologies peuvent nous faire, donc avec ce qu'on appelle de l'ancrage mémorial, mettre des reminders, comme le fait par exemple Voltaire, comme le fait, donc il y a plein d'applications dans les évaluations annuelles où on nous envoie des memory cards pour pouvoir faire de l'ancrage mémorial. Donc ça, c'est vraiment des plus de la technologie pour l'apprentissage. Le danger maintenant, le danger sur lequel il faut être vraiment vigilant, à mon avis, c'est de vouloir scanner la façon dont la personne apprend. Alors on sait qu'elle apprend par exemple très bien avec telle vidéo, qu'elle s'est arrêtée là et quand donc elle n'a pas compris, donc ça veut dire qu'en fait il faut lui renvoyer la vidéo. Donc scanner la façon dont la personne apprend est très dangereux. Pourquoi? Pour deux raisons. D'abord parce qu'on va lui envoyer que des choses qu'elle n'a pas appris, mais peut-être qu'en fait, c'est parce qu'elle n'a pas compris, qu'elle n'est pas émotionnellement en empathie, qu'en fait, elle ne les apprendra pas. Et donc, il faut prendre un autre canal. Donc, ça veut dire qu'on va utiliser le même canal, et ça, c'est très dangereux, parce qu'en fait, on va la dégoûter, on ne va pas lui faire apprendre. Et deuxièmement, c'est qu'on va lui faire apprendre que des choses qui sont dans le même sujet. C'est ce qu'on appelle les bulles filtrantes. Or, là, justement, un enseignant, une personne donc physique, va vous donner des informations qui n'ont rien à voir avec ce que vous avez appris pour vous ouvrir d'autres fenêtres. Et ça, c'est l'art de la pédagogie. Donc,
tout ça pour dire qu'en fait, dans l'apprentissage, il y a deux mots-clés aujourd'hui. Comment on fait de l'ancrage mémoriel et comment on réinvente le présentiel pour garder l'inspiration, le mimétisme, la complémentarité avec tous ces apprentissages numériques. Pourquoi ? Parce que le présentiel, ça vous donne envie, eh bien, d'être inspiré. Alors que quand vous êtes sur du virtuel, vous êtes plus sur de la mémorisation et sur de la captation. Donc l'idée aujourd'hui dans les apprentissages, dans les entreprises et dans les écoles, c'est réinventer un présentiel inspirationnel pour pouvoir ouvrir des fenêtres sur d'autres sujets, faire des passerelles et de la créativité. Et deuxièmement, réfléchir à comment on ancre des contenus d'apprentissage. Merci Cécile. Je suis vraiment désolé, on n'a plus le temps pour les questions, mais on se retrouve juste après, là, en dehors de la salle, pour pouvoir échanger avec les speakers. Je vous remercie à tous, vraiment, pour la qualité et la pertinence de vos interventions. Et je vous invite tous à rester dans cette salle pour la prochaine conférence qui sera sur la traduction du livre Deep Learning. Donc, vous pourrez apprendre les coulisses de la traduction de ce livre qui a été réalisé à l'aide d'une intelligence artificielle. Merci à tous. Merci.